La santé est essentielle, elle est primordiale, elle n'a pas de prix, c'est pourquoi nous devons la préserver. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Santé d'abord. Au premier semestre 2020, le Togo a enregistré 2627 accidents de la route pour un bilan humain de 241 morts et 3734 blessés. Ce nombre d'accidents, quoique toujours important, est toutefois en baisse par rapport au semestre dernier où 2783 cas ont été enregistrés pour 317 morts et 3853 blessés. Santé d'abord de ce soir va évoquer surtout la prise en charge des blessés de la voie publique, les difficultés liées à cette prise en charge et surtout comment faire pour que les accidentés de la route ne meurent pas faute d'une assistance financière adéquate. Vous écouterez tout à l'heure dans cette émission quelques victimes de ces accidents et nous rappellerons certaines informations relatives à la maladie au nouveau coronavirus dans notre page spéciale COVID-19. Et nous poursuivons encore ce soir la sensibilisation sur les fake news, de véritables intox qui inondent les réseaux sociaux. Et ce sera tout à l'heure avec notre confrère Silvio Combé que nous recevons également dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. À Santé d'abord. Voilà, pour répondre à nos questions sur la prise en charge des blessés de la route, nous avons invité Dr Bakriga Batarabadja Moïse. Il est chirurgien orthopédiste traumatologue au CHU Sylvanus Olympio. Il est maître assistant à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Dr Bakriga, bonsoir. Bonsoir Madame Carole Pito. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Je vais bien, on rend grâce à Dieu. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je crois que c'est votre première fois. Oui, exactement. J'espère qu'on fera une très belle émission ce soir. Je l'espère bien, moi aussi. Très bien. Alors, le thème de notre émission de ce soir, je l'ai déjà annoncé dans mon intro. On va parler des blessés de la route et leur prise en charge. Alors, d'emblée de jeu, on aimerait bien savoir en moyenne le nombre d'accidentés que vous recevez dans votre service au niveau de la traumatologie du CHU Sylvanus Olympio. Merci madame. Et avant toute chose, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de parler d'un thème d'actualité parce que dans 5 jours, nous allons célébrer la journée africaine de la prévention routière. Donc effectivement, pour revenir à votre question, dans le service aux urgences chirurgicales du CHU Sylvanus Olympio, nous recevons en moyenne 20 blessés par jour, ce qui fait environ 600 blessés par mois. Et sur les 600 blessés par mois, nous hospitalisons dans le service du professeur Abalo entre 60 et 80 victimes par mois. Donc, il faut dire qu'il y a des pics en début de semaine et les week-ends. Et malgré la pandémie, l'affluence ne s'est pas baissée. Alors, vous avez bien dit 20 blessés par jour qui sont admis au niveau de votre service à la traumatologie. Mais c'est quand même important. Alors dites-nous, est-ce qu'on peut parler de la classification des accidentés de la route? Oui, madame, on peut essayer de faire une classification en tenant compte de certains paramètres. Par exemple, on va dire selon la vélocité du traumatisme, c'est-à-dire la violence du traumatisme, on peut avoir des accidents de haute vélocité, ce qui inaugure des lésions graves, ou alors des traumatismes de basse énergie. On peut aussi classer les accidents en fonction des engins impliqués dans le traumatisme. C'est ce que nous appelons l'impact. Ça, on peut avoir l'impact moto-moto, impact moto-véhicule, impact véhicule-véhicule, impact moto-piéton. Et tous ces engins, il faut se dire que dans la majorité des cas, c'est les motos qui sont impliquées dans l'accident dans notre pays, dans 50% des cas. À part l'impact ou la vélocité, on peut aussi classer en fonction de l'état de la route.
C'est-à-dire qu'on sait que dans notre pays, il y a des endroits accidentogènes. Par exemple, quand on prend le tronçon sur la nationale, le tronçon Notien-Ouala, ou bien dans le Grand Lomé, le grand contournement. Donc, en fonction de l'endroit où survient l'accident, on peut classer les accidents en fonction des lieux. La route impliquée, c'est-à-dire l'autoroute, la nationale ou les. Mais en faisant intervenir l'état de la route, est-ce que vous n'êtes pas là en train de nous parler plutôt des causes des accidents? Non. Les causes des accidents, on va en revenir si vous voulez bien. D'accord. Dans les causes des accidents, il faut dire que la première cause, c'est le comportement de l'usager. Donc j'entends dans le comportement de l'usager. Par exemple, l'excès de vitesse. Ouais. Donc, lorsqu'on fait l'excès de vitesse, on ne maîtrise pas bien son engin. Le risque dans de l'état d'ébriété, par exemple, aussi. Voilà, l'alcool. Donc, quand on conduit en état d'ébriété ou bien sous l'effet des psychotropes, ça peut causer l'accident. Ou alors, le non-respect du code de la route. Vous voyez, donc, tous ces éléments peuvent être à cause de l'accident. Ou alors, lorsqu'on est distrait avec l'usage du téléphone. Voilà. Ce sera tout? Non. Mais c'est les causes des accidents. Ça, c'est On était en train de parler des différentes classifications ou bien les différents accidentés de la route. Oui. Moi, je pensais que vous allez peut-être nous dire qu'il y a des accidentés sévères avec de nombreuses fractures. C'est ça qu'on appelle la violence du traumatisme. Voilà. Donc, je voudrais bien que vous vous exprimiez dans un français facile, afin que ceux qui nous suivent ce soir comprennent ce dont on est en train de parler. Tout à fait. Alors c'est pour cela que lorsque vous avez évoqué l'état de la route, moi je me suis dit probablement que l'état de la route, on pouvait classer cela dans les causes des accidents de la circulation. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, tout à fait, je vous comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Tout à fait. Oui, donc je disais, si on veut classer, on peut classer soit par la vélocité et les voies sur lesquelles survient l'accident. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai dit, lorsque vous prenez... Le tronçon. Les tronçons accidentogènes, c'est connu aujourd'hui au Togo. Par exemple, si vous prenez la nationale, il y a des endroits où on peut faire qui sont classés accidentogènes. Ou bien quand vous prenez le Grand Lomé, la voie de contournement ou bien les grands axes, il y a des endroits accidentogènes. Donc on peut classer les accidents selon le lieu où ils surviennent, selon la force du traumatisme, selon les engins impliqués. Donc les trois notions. Alors, et si je vous demandais par exemple de nous dire quelle est la première cause de mortalité sur la route, qu'est-ce que vous allez répondre? La première cause de mortalité sur la route, c'est d'abord la violence du traumatisme. Okay. Donc, lorsque le traumatisme est trop violent, il entraîne l'atteinte des organes vitaux et l'on peut en mourir. C'est ça. Mais si ce n'est pas ça aussi, ça peut être un saignement. Donc, comme on dit, le saignement, nous, on appelle ça l'hémorragie, qui peut être interne ou externe. Ou alors, lorsque les lésions neurologiques interviennent, en ce moment, par exemple, vous avez cogné la tête, Ça peut causer la mort. Très bien. Alors, premier sujet de cette émission, je vous l'annonçais que nous allons écouter ce soir quelques témoignages des victimes de ces accidents de la voie publique. Alors, premier témoignage, nous allons écouter donc un accidenté de 44 ans. Il s'agit de Monsieur Kanyi. Il est surveillant de gardiennage de son état. Il avait eu son accident le 18 août dernier. Alors, comment l'accident est-il survenu et comment sa prise en charge s'est faite depuis son lit d'hospitalisation au niveau du CHU Sylvanus Olympio? Il nous raconte son histoire et les difficultés qu'il a eues. Nous l'écoutons dans ce premier cas. Je suis un surveillant de gardiennage. J'étais dans le tour aux environs de 18h50, voire 19h. J'allais faire mon contrôle à Sodigaz. Je traversais la route et quand tout de suite, une moto est venue me percuter. C'était le 18 août.
C'est en ce moment qu'on m'a amené à l'hôpital ici. C'est au niveau de Ramatou, sur la voie de Anero. Moi, j'allais à Sodigaz. Lorsque cela s'est produit immédiatement, j'ai appelé notre base. Donc, ils sont venus avec leur voiture. Donc, ce sont eux qui m'ont cherché pour m'amener ici. Non, lorsque on m'a amené ici, j'étais passé d'abord par l'urgence chirurgicale. J'ai fait 2 jours là-bas. Bon, premièrement, lorsque j'étais arrivé à l'urgence chirurgicale, bon, j'ai un peu duré là-bas parce qu'il faudrait d'abord que la société déploie de l'argent pour acheter quelques produits, les bons et autres, là, avant qu'on ne me fasse les traitements. Parce que, bon, pas manque de produits de l'hôpital même. Donc, c'est la société qui a amené l'argent d'abord et on a payé les bons, les produits, avant qu'on ne me fasse les premiers soins. C'est des gens qui accueillent bien. Depuis que moi, je suis venu pour manger, ça me fait problème. Parce que quand tu ne sais pas manger, que tu sens le WC, comment est-ce que tu vas faire? Avec le nombre de personnes qui ici là, que nous avons ici, tu ne peux pas tout de suite te déshabiller, chier devant les gens. Il y a ça aussi quand même. Donc tu dois savoir quoi manger. Et dans la nuit profonde, tu es obligé d'appeler ta femme ou bien quelques-uns. Ce sont eux qui vont t'aider à descendre d'abord avant que tu ailles au WC. Ce qui fait que moi, pour manger là, c'est les pains autres là que j'essaie de manger pour pouvoir stopper mon WC. La nuit, si j'ai mes calmants, je prends mes calmants, je dors tranquillement. À l'endroit des autorités. S'ils ont quelques coups de main à porter à l'hôpital, donc ils peuvent le faire. Malheureusement que vous étiez un peu en retard. Il y a un de nous qu'on allait amener à la radio tout à l'heure, il y a eu tout un problème. Parce que d'abord, avant que tu ailles à la radio, les fauteuils roulants ne sont pas nombreux ici. Donc tu dois te réveiller très tôt, aller chercher un fauteuil roulant et au même moment tu cherches le fauteuil roulant, il y a ton frère aussi qui est derrière toi. Non, on va marquer. Donc c'est des trucs comme ça qui se passent. Normalement, celui-là qu'on devait amener à la radio maintenant, on devait utiliser ce qu'on appelle le lit roulant là. Parce qu'il y a un problème au niveau de la hanche. Donc le prendre pour le faire asseoir dans le truc là, c'est, il n'a pas pu. Donc il a souffert avant de rester dans le fauteuil. Le bon cas, un accidenté qui après a été pris en charge par son service. C'est la meilleure situation. C'est pourquoi sa prise en charge n'a pas duré. Il n'a pas hésité longtemps avant d'acheter tous les médicaments pour sa prise en charge. Et c'est pour ça aussi que pour lui, l'évolution sera très bien parce qu'on n'a pas traîné. Je ne serais pas surpris un jour de le revoir marcher normalement comme s'il n'a jamais eu de fracture. Parce que c'est le bon cas qui a eu les bons traitements, qui a été fait de façon précoce tôt. Voilà, docteur Bakriga, vous l'avez écouté. Alors, la question qui va suivre dit ceci. Le constat est fait, hein, souvent est formulé même sous forme de critique par bon nombre de personnes, c'est que les victimes des accidents de la route, dès qu'ils arrivent aux urgences, sont laissées parfois sans les premiers soins de secours parce qu'ils n'ont été accompagnés d'aucun parent. Et donc, il n'y a personne. Donc, ils sont venus là. On les avait transportés ou bien transférés là au CHU, au niveau des urgences, et vous les regardez. Alors, est-ce que c'est vrai? Merci, madame. C'est une belle question parce que, en fait, je ne veux pas dire qu'ils ont tort. C'est une perception. Je vais m'expliquer. En fait, nos concitoyens doivent comprendre comment fonctionnent les urgences au CHU Sylvanus Olympio. Mm-hmm. Donc, je ne vais parler que des urgences du CHU Sylvanus Olympio parce que c'est là-bas que j'exerce. Tout à fait. En fait, ce qu'on doit comprendre, lorsque le blessé arrive aux urgences, il est accueilli par une équipe. Il y a des brancardiers, il y a des aides-soignants, il y a des médecins, il y a des infirmiers. Lorsqu'il est accueilli, le médecin de garde procède à son examen rapide pour évaluer les fonctions vitales dont je parlais tout à l'heure. Si ce pronostic vital est engagé, on prend des mesures de réanimation rapidement pour sauver la vie. Mais après cette stabilisation, on demande des analyses complémentaires pour étayer le diagnostic. Je m'explique, on va vous demander, par exemple, si on pense que vous avez une fracture, on va vous demander des radiographies à faire. Une fois que tout est fait, on va vous faire des ordonnances. Tout est acheté. Et c'est là-bas que le bas blesse. En fait, tous les Togolais doivent comprendre que le médecin n'est pas à sa
disposition un kit d'urgence où il prend tout pour vous soigner. Docteur Bakriga, je ne vous arrête pas dans votre développement, mais dans vos réponses. C'est que nous sommes dans un cas précis, un cas où on a amené le blessé, on l'a ramassé sur la voie publique, on l'a amené, et jusque-là, aucun parent ni personne ne s'est présenté comme personne qui doit peut-être faire sortir de l'argent urgemment. Alors, dans ce cas de figure, quand vous parlez d'analyse à faire, et tout, voilà, vous remettez les fiches d'analyse à qui lorsque vous ne connaissez personne de la personne qu'on vous a, de l'accidenté qu'on vous a transféré? Très bien, madame. Dans ce cas précis, voici comment on procède. Une fois qu'on l'a examiné et qu'il a besoin des soins, le médecin de garde fait les soins en urgence. Hein, en urgence, tout à fait. Encore, je le dis bien, en urgence. Ouais. Dans ce cas, le médecin qui l'a examiné fait l'ordonnance de ce qu'il a besoin pour sauver sa vie. Ouais. Et il contacte l'administrateur de garde. C'est seulement l'administrateur de garde qui a habilité à demander à la pharmacie de l'hôpital de servir les médicaments d'urgence. Okay. Donc ça prend un certain nombre de temps. C'est Et c'est ça qui donne l'impression qu'on néglige le patient. En fait, le patient n'est pas négligé. Le fait que le médecin aille contacter l'administrateur de garde, que l'administrateur de garde se déplace pour vérifier la véracité des faits avant d'autoriser les soins, ça prend un certain délai. Et ce délai est perçu par les autres comme c'est un abandon, ce qui n'en est pas un abandon. C'est ça. Le malade finit par être heureusement pris en charge. Très bien. Alors, revenons un peu sur le cas de tout à l'heure. Il a énuméré un certain nombre de difficultés. Hein. Il a parlé même de l'urgence chirurgicale, puisqu'il a dit que dès qu'il est arrivé là, il a passé 2 jours au niveau de l'urgence chirurgicale, parce que les premiers soins sont inexistants. Les produits n'existent pas. Et donc, c'est ce que vous venez d'expliquer. Alors, il faut d'abord consulter l'administrateur de garde, c'est ce que vous avez dit. Exactement. Et à son tour, il donne l'autorisation. D'abord, même avant de donner l'autorisation au niveau de la pharmacie, il va aller vérifier si effectivement ce qu'on lui a rapporté est vrai. Et pendant tout ce temps, si le pronostic vital est en jeu, que l'accidenté décède, est-ce que vous n'avez pas parfois votre conscience qui vous dérange un tout petit peu? Mais madame, c'est vrai que c'est la procédure. Hein. Je ne suis pas là pour vous critiquer sur ce plateau, mais au vu de ce que nous on constate, et on entend, on se dit, mais normalement, vous devez avoir les produits de premiers soins de secours à votre portée et non faire ces tralala, tralala, tralala. Pendant ce temps, la personne, il est là, il gît dans le sang, il perd du sang. Et pendant tout ce temps-là, la personne meurt parfois. Et vous êtes là, impuissant, à le regarder. Vrai ou faux? C'est des situations qui arrivent très souvent. Hein? Tout à fait, madame. Ben, tout à fait, madame. Et je ne suis pas là pour raconter des cas vécus, mais c'est pour dire que effectivement, c'est l'enjeu de la riposte post-accident qui se pose à nous tous. Donc, c'est le système. Le médecin est un élément du maillon de la prise en charge. Et vous voyez bien que dans la prise en charge, à un moment donné, il y a quelque chose qui manque. Non. Donc c'est là que se pose le problème. Comment on fait quand un malade arrive qui n'a personne, qui produit, qui donne les médicaments, voilà, qui prend en charge. Voilà. Donc c'est à nous tous de trouver la solution. Voilà. Nous sommes là justement pour trouver la solution par rapport à la prise en charge de ces accidentés qui n'ont vraiment pas de soutien. Notre frère de tout à l'heure aussi a parlé de certaines difficultés. Vous l'avez bien écouté. Il très a fait bien allusion au fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'il se discute même les fauteuils roulants. Mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Insuffisance du matériel, c'est toujours les problèmes de tous les jours. Est-ce que vous vous battez quand même pour avoir le minimum pour pouvoir servir vos patients? Il a évoqué. Il se dispute le fauteuil roulant. Non, on voyait là quoi, ça dit que c'est à la queue le. Tout à fait. Et ce que votre élément est vraiment parlant parce que c'est notre vécu quotidien. Et dans le service, il nous arrive de manquer du brancard pour déplacer le malade pour aller au bloc. Donc, ça va retarder l'intervention. Donc, c'est toute la chaîne qu'il faut revoir, l'organisation, c'est tout le matériel, c'est le plateau technique. C'est ça qu'on appelle le plateau technique, c'est pas une question de compétence. Et l'élément le dit très bien, un seul brancard ou bien un seul fauteuil roulant pour déplacer 3-4 malades, ça va créer forcément de l'embouteillage sur la chaîne. Malheureusement, oui.
Alors, malheureusement, ça crée vraiment de sérieux problèmes et nous sommes là ce soir pour en parler, justement. Alors, si je vous disais, par exemple, que vous qui êtes du corps médical, vous êtes là, vous avez prêté le serment pour soigner des gens et devant des situations comme ça, et comment est-ce que vous, quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est un sentiment d'impuissance. Parce que, figurez-vous, madame, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On a de la compétence, ouais, mais on manque d'équipement. En ce moment, ce n'est pas la faute du médecin. Si, par exemple, le fait de déplacer le malade de sa salle au bloc, on est incapable. Et ça vous dérange? Beaucoup, madame. Ça vous dérange? Beaucoup, madame. Beaucoup. Ok, nous allons poursuivre avec les questions. Alors, les décès qui sont dus, docteur Bakriga, les décès qui sont dus aux accidents de la circulation, sont généralement liés à quoi? Les décès qui sont dus aux accidents de la voie publique, il y a ou soit vous décédez immédiatement après l'accident, en ce moment, c'est que c'est l'intensité du traumatisme qui vous a emporté. Oui. Ou alors vous allez décéder dans les heures qui suivent. En ce moment, vous décédez d'une des complications immédiates. Par exemple, vous avez saigné et qu'on n'a pas pu vous récupérer. Ou bien vous avez eu des lésions graves qu'on n'a pas pu récupérer. Vous pouvez aussi décéder parce que vous avez eu ce qu'on appelle une complication secondaire, une infection qui n'a pas été traitée adéquatement. Parce que, figurez-vous, le malade dans l'élément qui dit qu'il a fait 2 jours aux urgences avant d'être pris en charge. Mm-hmm. S'il a une fracture ouverte, il y a ce que nous appelons la gangrène. Mm-hmm. Et ça peut vous emporter. Ouais. Ou alors, au cours de votre traumatisme, vous étiez porteur d'une autre maladie qui va se décompenser. C'est ce qu'on appelle les comorbidités. C'est ça. Vous avez un diabète, vous avez une hypertension artérielle, mais du fait que vous êtes trop alité, cette maladie va s'aggraver et ça va vous emporter. Donc, c'est ce qu'on appelle les comorbidités. Avec votre accident, ça va vous emporter. Ou alors, il y a des fois, vous êtes hospitalisé, le fait d'être alité, vous pouvez être emporté par d'autres complications. C'est le cas, par exemple, de l'embolie pulmonaire, ce qui est foudroyant. Donc, vous avez ce qu'on dit que les caillots de sang se sont formés et ont bouché les vaisseaux et vous pouvez en mourir. Voilà les causes à peu près qui peuvent vous expliquer les décès après l'accident. Vous avez certainement oublié certaines raisons, mais certaines causes essentielles. Le retard, hein, le retard d'arriver dans une structure de prise en charge, il y a ça aussi. Lorsque survient un accident sur la voie publique, qu'est-ce qu'on nous a dit ou bien nous a fait entendre? Alors, laissez l'accidenté sur place, parce qu'il y a des personnes qui sont formées pour ça, ok? Qui sont formées pour les premières prises en charge, non, pas les premiers, je dis n'importe quoi, les premiers soins de secours, les secouristes, voilà. Très bien. Donc, si vous ne savez pas transporter ou bien prendre l'accidenté, vous risquez de compliquer le tableau. Exact. Alors, on attend l'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux. Et jusque-là, la personne, en arrivant finalement à l'hôpital, peut décéder, vrai ou faux? C'est tout à fait ça, madame. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on nous a appris reste valable. Parce que si le transport ne se fait pas bien, on ne va pas sauver peut-être le malade. Mais si le transport est fait de façon médicalisée, on va sauver le malade. Ceci dit, ça rentre encore une fois dans la problématique globale de la riposte post-accident. Parce que le tout n'est pas d'arriver à l'hôpital, mais c'est d'arriver dans de bonnes conditions. C'est ça. Parce que si on a aggravé vos lésions, à l'hôpital, on ne pourra pas vous récupérer. Alors, quelles sont les difficultés qui se posent au niveau de la prise en charge des accidentés? Si nous prenons le cas du Sylvanus Olympio, du sachet Sylvanus Olympio où vous travaillez. Les difficultés sont d'abord d'ordre matériel. Et votre élément l'a bien si dit. Oui. Notre plateau technique est à améliorer. Parce qu'on nous reproche de ne pas bien prendre en charge, mais il nous manque beaucoup d'éléments. Ça, c'est la principale difficulté, manque de matériel. La principale difficulté, c'est le manque de matériel. Oui. Et ensuite, l'organisation. Parce que vous avez vu dans l'élément... Vous n'entendez pas l'organisation. L'organisation, j'entends pas, nos urgences sont vite saturées. Quand vous voyez dans l'élément, passer 2 jours aux urgences, ça sature. Nous avons 7 boxes
13 lits aux urgences. Et je vous ai dit qu'on a 20 blessés par jour. Si dans l'organisation, voilà, on est vite rempli. Donc il y a les moyens, l'organisation, pour que le renouvellement se fasse très vite. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est vrai que lorsqu'un accidenté est transporté au service des urgences, il faut rapidement voir son cas. Alors dans un premier cas, dans un premier temps, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe? Comment le prenez-vous en charge? Est-ce que sa prise en charge commence à cet instant où il est venu au niveau des services des urgences? Oui, sa prise en charge commence à l'instant T où il arrive aux urgences, d'autant plus que dès que le malade arrive, l'équipe qui est là reçoit le malade, l'examine, pose un premier diagnostic, c'est déjà la prise en charge. Ouais. Maintenant, ce qui va suivre dépend beaucoup plus de la réactivité de l'entourage. J'entends souvent l'entourage, les riverains qui l'ont accompagné, la famille, parce que figurez-vous, tout est prescrit et on doit tout acheter. C'est là-bas que le bât blesse. C'est vrai, vous l'avez déjà dit. Voilà. Ah, c'est vrai. Alors, nous allons passer au deuxième cas de témoignage de cette émission de ce soir. En effet, certains blessés de la voie publique sont amenés à l'hôpital, malheureusement, sans aucun soutien, sans parents et sans assurance. Dans ce cas, comment ces blessés de la route sont-ils pris en charge? Qui va s'occuper des dépenses? C'est vrai que notre invité a déjà effleuré un tout petit peu la procédure, bien comment ça se passe réellement sur le terrain, bien au niveau des hôpitaux. Mais nous allons écouter le professeur Abalo Grégoire qui répond à cette préoccupation précise dans ce deuxième cas du patient que nous avons interviewé. Regardez cet élément, nous vous tournons après sur le plateau. Certains patients, après l'accident, ont un problème pour la prise en charge. Et souvent, dans ces cas, on a affaire à l'administration de l'hôpital. L'administration de l'hôpital organise une permanence. C'est une garde de 24 heures. Donc, certains patients, après l'accident, viennent à l'hôpital ou bien sont menés par les sapeurs-pompiers. Ils n'ont ni famille avec eux, ni assurance. Donc, ils se posent souvent la prise en charge de leurs blessures. Donc, pour ces cas, nous approchons de la direction de l'hôpital qui, par le biais des affaires sociales, nous aide pour la prise en charge. C'est ce cas-là qu'on a ici. Donc, ce monsieur a été blessé, une fracture de la cuisse. Et c'est par le biais de l'administration, par l'affaire sociale, et par certains donateurs. Parfois même, il nous arrive de cotiser pour aider certains patients. Et heureusement pour lui, il a été bien opéré et on espère que tout ira bien. J'avais fait l'accident le 1er septembre 2018 à Palémé. Donc avec ma madame, je l'ai remorqué sur la moto en allant vers Pelé et la voiture m'a connu. On a enlevé, on a amputé la jambe de ma dame. Elle marche maintenant sur un seul pied. Donc au cas là, je n'en ai rien absolument, c'est un cultivateur. Et donc mon cas était difficile un peu. On m'a amené à l'hôpital de Palémé. C'est là qu'on nous traitait. Voilà qu'on manque beaucoup de l'argent. Il n'y a pas de service social là-bas aussi pour nous prendre en charge. Et ça s'est duré un peu. C'est la famille qui va cotiser un peu avant de venir m'aider. On va me travailler. Donc nous sommes là durement. Et puis on nous a laissé à Palémé là-bas. Arrivé à la maison, on n'a rien absolument. On est obligé que. On m'a mis un fer. Le fer là n'a pas pu faire le travail. Et je suis venu ici par le cas, comme le docteur avait dit, les services sociaux et les donateurs, les bons volontés qui m'ont aidé. Bon, ça va mieux. Je remercie les services sociaux et les bons volontés aussi. Condoléances que je vais adresser aux gens qui nous regardent maintenant. Je n'ai pas hésité, si on a beaucoup de cas comme ça, on peut venir aussi à l'hôpital. Peut-être on peut trouver quelques soins à le faire aussi, ne pas rester à la maison. Comme je n'en ai personne aussi, je suis venu, on m'a pris en charge par service social. Depuis 2018, qu'il a eu son accident à Palimé, s'il avait une assurance ou bien
son service qui le prenait en charge, il serait guéri depuis. Mais il a fallu attendre jusqu'en 2020 là, pour qu'il nous soit référé de Kpalime, pour qu'on passe par l'affaire sociale qui a tout fourni pour sa prise en charge. C'est une situation souvent qui nous arrive. Les gens après l'accident n'ont pas de prise en charge. Heureusement pour lui, l'affaire sociale a tout fourni. Parfois, l'affaire sociale n'a pas tout. Donc parfois, certains patients traînent pour ça, pour la prise en charge de leur pathologie à cause de cette prise en charge. Voilà, docteur Bakrika, lorsqu'aucun parent ne se présente au chevet de l'accidenté durant tout son séjour à l'hôpital, comment est-ce que vous gérez cette situation-là? Pour ses besoins quotidiens, le manger, aller aux toilettes, est-ce que vous avez des gens qui font partie du personnel du CHU qui aident ces accidentés-là dans leurs besoins de tous les jours? Merci madame. En fait, je voulais d'abord dire que le Togolais est de bon cœur de nature, parce que il arrive même que ce soit les autres malades de la salle qui donnent à manger aux patients nécessiteux, et parfois l'équipe médicale cotise pour ses soins. Et parfois, il nous arrive même de, parce qu'on connaît des gens de bonne volonté, et de leur contacter que effectivement qu'on a un cas qui a besoin de secours, et c'est comme ça on jongle. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, parfois on est touché parce que c'est l'être humain, c'est la dignité, il y va de la dignité. Donc encore une fois, il faut qu'on soit organisé, nous tous, pour que ceux qui en ont moins profitent de ceux qui en ont plus. Donc effectivement, ça touche à la dignité humaine. On est parfois amené à cotiser dans l'équipe pour prendre en charge un blessé, et parfois les autres malades de la salle où est hospitalisé le cas nécessiteux lui servent à manger et lui donnent parfois des compresses pour les pansements. Et c'est comme ça on jongle. Donc. Alors, l'affaire sociale, à part s'occuper peut-être des premiers soins, des produits pour le malade, l'affaire sociale ne réagit pas pour ce côté-là? En tout cas, dans l'élément... Admettons que les gens, les autres hospitalisés ne sont pas solidaires avec l'accidenté qui n'a personne, et donc il va mourir de faim. L'affaire sociale ne voit pas ce côté-là. C'est bien dommage. Madame, chacun parle de ce qu'il sait. C'est vrai que l'esprit de solidarité oblige. Oui. Je ne peux pas manger et voir mon enfin, voilà. Celui avec qui je partage la même salle, qui est là aussi dans son lit, ne rien manger. Donc, je serai obligée de partager mon repas avec lui. C'est normal, c'est le fait de l'homme. C'est être humain et humaniste. Maintenant, l'affaire sociale qui est là, la prise en charge des affaires sociales, ça, les limites, donc ça veut dire qu'il y a des limites. Exactement, madame. Je vais reprendre. En fait, les affaires sociales aussi, quand on discute avec eux, ils ont une donation, leur dotation avec des limites. Effectivement, ils veulent bien, mais ils n'ont pas tout. Par exemple, dans l'élément que vous avez passé, les patients, je l'ai opéré, mais c'est quelqu'un qui lui a acheté le matériel. Ça coûte cher, l'implant. C'est une bonne volonté qui lui a acheté le matériel. L'affaire sociale a fourni les consommables, c'est-à-dire tous les produits dont on avait besoin pour lui faire l'anesthésie, pour l'opérer. Mais l'implant, c'est une bonne volonté qu'il a acheté. Donc, pour dire que l'affaire sociale, même a de la bonne volonté, mais ne peut pas tout faire. Exactement. L'affaire sociale ne peut pas tout faire. Alors. Exactement. Et dites-nous, docteur, est-ce que la prise en charge des blessés de la route est une prise en charge pluridisciplinaire? Merci, madame. La prise en charge des blessés de la route est multidisciplinaire, surtout quand il s'agit des polytraumatisés. C'est-à-dire que le malade est porteur de plusieurs lésions. En fait, la médecine est aujourd'hui très organisée au point où il y a des hyper-spécialisations. Donc, lorsque un malade qui est porteur de plusieurs blessures, que nous on appelle dans notre jargon polytraumatisé, il est pris en charge de façon collégiale. Donc, pour les centres qui en disposent, par exemple, on a un médecin anesthésiste réanimateur au centre,
ou alors un urgentiste autour duquel gravitent les autres spécialistes. Il va faire appel à un orthopédiste traumatologue comme moi, il va faire appel à un neurochirurgien, il va faire appel à un neurologue, il va faire appel à toutes les bonnes volontés de besoin. Par exemple, un radiologiste interventionniste qui va venir, par exemple, faire un geste ponctuel pour arrêter l'hémorragie. En ce sens, on dit que la prise en charge du blessé devient pluridisciplinaire. Voilà. Alors, est-ce qu'il arrive des situations où les blessés, une fois soulagés, peuvent fuir l'hôpital? Malheureusement, oui. Il existe des cas. Une fois que le blessé est stabilisé, comme nous on dit, c'est-à-dire qu'on l'a sorti de l'urgence, il y en a qui... Lorsque sa vie n'est plus en danger. En danger, il peut vous demander qui veut continuer chez nos concurrents de l'autre côté, les tradis thérapeutes. Et souvent, c'est souvent dit au fait que les gens ils n'ont pas les moyens. C'est souvent ça. Parce que, figurez-vous, nous sommes en train de faire une étude dans le service, par exemple pour les blessés de taxi-moto. Dans un cas sur deux, ils vont quitter l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire le traitement adapté. Voilà. Très bien. Nous passons au troisième témoignage. Il s'agit d'une victime également d'accident de la route. Il s'agit donc d'un patient de 46 ans. Quand est-ce que l'accident s'est-il produit et comment vit-il ses jours d'hospitalisation au service de la traumatologie du CHU Sylvanus Olympio? Nous allons écouter M. Agosu sur les circonstances de son accident. Mon accident s'est passé le 20 juillet 2020 là, sur le tronçon de la présidence. Je sortais du service, je suis personnel au CHU Tocoin ici. Je rentrais et j'ai eu une collision avec un autre moto. Celui qui m'a percuté aussi, il est blessé, mais ses parents l'ont amené dans une clinique. Moi, je suis personnel ici. En même temps, les chefs m'ont pris en charge ici et ça va comme ça. Comme je suis personnel d'ici avec UNAM, je n'ai pas traîné. On m'a pris en charge, UNAM m'a pris en charge, les radios, tout a été fait dans l'immédiat, dans les vite délais, tout est bien passé. Pour l'accueil, c'est un peu impeccable, c'est bon, ils nous reçoivent bien. La nuit, si tu as un problème, tu les appelles, les infirmiers sont venus t'aider pour t'injecter tes produits. Ils sont à nos cheveux, ils viennent nous aider. Pour les toilettes, nous sommes dans une situation un peu grave là, on ne peut rien. Moi je suis avec ma femme, c'est elle qui m'aide, on me met le pot et je fais ça et puis elle s'en va percer. Compte tenu des douleurs, tout ça là, ça vient. Des fois, tu vas prendre les produits avant de dormir. Et pour ceux qui roulent en moto, c'est plus de prudence. On ne doit pas rouler si vite. On n'est pas pressé. Et je vais dire courage à mes amis malades aussi, accidentés. Des patients qui, après l'accident, ont une lésion, une fracture. Et pour la prise en charge, se font aider par l'assurance UNAM. Donc, c'est la dernière situation. Si on se résume, la première situation sur les patients qui, après l'accident, ont été pris en charge grâce à leur service. La deuxième situation, les patients n'ont rien. Non, on est passé par l'affaire sociale pour leur prise en charge. Et la troisième, ce sont les patients qui passent par l'assurance UNAM. Entre parenthèses, il peut y avoir d'autres types d'assurance. Si le véhicule est assuré, il peut passer par leur assurance. Voilà, ce sont là les trois cas de figure que vient de nous présenter professeur Abalo Grégoire. Docteur Bakriga, dites-nous, certains incidentés après des soins appropriés au niveau de l'hospitalisation vont quand même décéder quelques jours plus tard. Alors, à quoi sont dus ces décès parfois imprévisibles? Voilà. Il y a des gens qui vont décéder malgré les soins. Malgré les soins, oui. Oui, malheureusement, c'est dû au fait que parfois on est porteur d'autres
problèmes de santé et que l'accident vient révéler les autres pathologies sous-jacentes. En ce moment, vous pouvez décompenser. C'est ce qu'on appelle décompenser une maladie existante. Ou alors, vous, au cours du traumatisme, vous avez eu des lésions graves et que malgré les soins, malheureusement, vous allez en mourir parce que les complications vont survenir. Donc, il y a ces deux aspects. Ou alors, les lésions que vous présentez peuvent être bien soignées, mais il y a eu un retard dans la prise en charge. Nous l'avons vu tout à l'heure. Et ça va compromettre le pronostic. Et je donnais l'exemple de quelqu'un qui a une fracture ouverte. Si on n'a pas fait le parage dans les délais, le pied va pourrir. C'est ce que nous, on appelle la gangrène. Et vous pouvez en mourir. Donc, il y a trois possibilités. Ou alors, les lésions étaient suffisamment graves que malgré les soins, on n'a pas pu récupérer. Ou alors, vous aviez un autre problème de santé sur lequel vient se greffer l'accident et ça complique le tableau clinique. Ou alors, en dernier ressort, les soins n'ont pas été adaptés et donc vous pouvez en mourir. Alors, lorsque vous dites que les soins ne sont peut-être pas adaptés, et ce serait la faute à qui alors? Si les soins ne sont pas adaptés, ce serait la faute à qui? La faute, c'est à tout notre système, parce qu'il faut, comme le professeur l'a expliqué bien dans le documentaire, lorsqu'on vous prend en charge rapidement, le pronostic est meilleur. Mais si on traîne avant de commencer les soins, on complique le tableau. Donc, la faute, ce n'est pas à celui qui n'a... c'est la faute et à personne. C'est la faute, ça veut dire qu'on n'a pas soigné à temps parce qu'on n'a pas les médicaments à temps. Donc, c'est une situation difficile, pénible à comprendre, mais c'est notre organisation. Encore une fois, moi, je pense que l'enjeu ici, c'est la riposte après accident. Comment on s'organise, comment nous organisons notre système de santé pour qu'une fois que l'accident survient, comment on fait pour soigner le blessé avec des soins de qualité. C'est ça l'enjeu pour moi. Ok. Alors, est-ce que lors de votre activité professionnelle, vous n'avez jamais entendu parler d'une erreur professionnelle due à une cause de décès? Cause de décès liée à une erreur professionnelle de votre part? Quand je dis vous, votre part, pas vous spécialement, mais du corps médical. Une erreur professionnelle. Oui, madame. Très souvent, nous, au niveau de l'Afrique, nous, les Africains, n'avons pas assez de moyens pour lorsqu'un un parent décède, pour dire l'autopsie, on va savoir la cause exacte de l'accident. Mais ailleurs, on va jusqu'à voir pourquoi le décès est survenu. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une erreur du médecin? Il n'y a pas la main du médecin dedans? Non, on ne vous incrimine pas ce soir, mais non, on voudrait non, bien savoir. Non, tout mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. Malheureusement, je vais répondre par l'affirmation en disant que l'erreur est humaine, ça arrive. Et ça, c'est des cas qu'on déplore. Heureusement qu'on travaille pour amoindrir ces erreurs, mais ça existe. Ce n'est pas faux. Il y a des erreurs médicales et ça, nous en portons la responsabilité tous, que vous ayez participé ou non. Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience pareille, due à une erreur médicale professionnelle qui a provoqué le décès d'un patient? Ben j'ai assisté, oui. Et finalement, comment ça se règle? Il y a deux possibilités. Ou c'est l'hôpital, ça, on appelle ça la responsabilité civile de l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital endosse la responsabilité, ou alors la faute est si grave que la responsabilité pénale du médecin est engagée. Voilà. Okay. Il y a les deux possibilités. Il y a les deux possibilités. Voilà. Très bien. Alors, nous allons continuer avec quelques questions en attendant de passer à l'élément suivant. Alors, après un accident, docteur, dites-nous, après un accident de la route, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'évacuation rapide vers les structures de prise en charge demeure une vraie problématique? Oui, madame, tout à fait. L'évacuation vers les structures de santé demeurent problématiques dans notre pays. D'autres pays de la sous-région sont en avance. On a dépassé ce stade-là. Oui, mais nous, on est encore à ce stade.
Quoique, malheureusement. Et il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Moi, je pense qu'il faut féliciter nos sapeurs-pompiers qui font ce boulot, mais qui relèvent en réalité du SAMU. Parce que la prise en charge préhospitalière augmente les chances de survie du blessé. Tout à fait. Mais c'est ce que nous n'avons pas pour le moment. Mmh. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est comment nous nous organisons pour riposter après un accident. Mmh. Donc c'est tous ces éléments de la chaîne qu'il faut revoir. C'est ça. Parce que nous, c'est souvent la famille qui transporte le blessé et mal, ou alors les sapeurs-pompiers. Mais il faut une équipe, il faut que le transport soit médicalisé et que les soins préhospitaliers soient déjà donnés, et ce qui augmente les chances du blessé. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème. De l'accidenté. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Alors, dans la société, non, la société civile aussi, bon, la société civile aussi joue vraiment sa partition dans la lutte contre la réduction des accidents de la voie publique. La preuve, l'association Action pour les victimes de la route, AVR, est sur le terrain, et ce depuis bientôt 15 ans. Quelles sont exactement ses activités et essentiellement son apport dans cette lutte? Nous allons écouter le directeur exécutif de la dite association, M. Otto Grutter-Pego. Il est expert conseil en prévention et sécurité routière. Nous sommes sur le terrain depuis bientôt 15 ans. Nous avons réalisé beaucoup d'actions en termes de sensibilisation, de formation, beaucoup de contributions également à la réalisation ou à l'observation de la réglementation par les usagers en particulier, la population en général. Nous accompagnons les forces de l'ordre dans le contrôle et la sanction pour renforcer l'efficacité de notre sensibilisation, parce que l'éducation et la sanction, le contrôle vont de pair. C'est une pièce de monnaie, vous prenez les deux faces. Et donc, pour que nous puissions juguler de l'efficience de la sensibilisation que nous menons sur le terrain, du transfert de connaissances et de compétences que nous exécutons, nous réalisons sur le terrain, il faut l'accompagner également du contrôle et de la sanction. C'est vrai que nous accompagnons également les usagers de la route au cas où la sensibilisation n'a pas été effective et qu'un sinistre survient. Nous essayons également de les accompagner en termes d'orientation, de conseils vis-à-vis des assurances, parce que également là, c'est un droit d'une victime et la victime doit pouvoir en jouir. Il faut sortir les gens de l'ignorance. Voyez-vous ? Alors, nous faisons la sensibilisation, je l'ai dit d'entrée, la sensibilisation, la formation. Et l'autre apport a été d'abord d'assumer le premier secours. Donc lorsqu'il y a des victimes d'accidents à chaud sur les routes, dans la circulation, nous intervenons pour faire évacuer ces dernières vers les centres de santé appropriés. Bon, nous nous sommes rendus compte avec le temps que cette activité nous revenait un peu plus dure, compliquée, onéreuse, et nous l'avons limitée, essentiellement à la sensibilisation. Donc nous ne ferons plus les enlèvements en cas d'accident dans la circulation, mais nous accompagnons par le plaidoyer, par la formation, par la sensibilisation pour que l'usager ne puisse pas arriver au cycle de la consommation du sinistre. Notre rapport aujourd'hui se limite essentiellement à ce niveau. Il faut encourager les bénévoles qui passent leur temps à aller agir sur le terrain ou d'une manière ou d'une autre pour que quelqu'un, un usager, ne se retrouve pas ici, sur un lit d'hôpital. Et donc, les moyens et encore les moyens, et que l'audience soit davantage plus cordiale, davantage plus appropriée entre l'autorité et nous. Nous ne nous en plaignons pas tellement, mais tant
tendant vers la perfection, nous aurions aimé que cela soit beaucoup plus expressif, que l'autorité soit également beaucoup plus expressive en évoquant la contribution que nous apportons à l'atteinte des objectifs de réduction du nombre de blessés et de la mortalité routière dans notre pays. Voilà, docteur Bakriga, alors quel est votre avis face à ces associations qui s'investissent dans la lutte pour la réduction des accidentés ou bien des accidents de la voie publique, à l'image de l'association Action pour les victimes de la route? Merci madame. Moi je pense que mon point de vue c'est ils sont à féliciter et c'est des initiatives à encourager et à multiplier. Mm-hmm. C'est une bonne chose. Tout ce qui va dans le sens de l'amélioration de la prise en charge des blessés, de l'accompagnement des blessés, c'est à saluer. De la prévention même des accidents sur la route. De la prévention des accidents de la route, tout à fait. Mmh. C'est à saluer. C'est à saluer. Oui. Merci beaucoup. Alors, nous ouvrons à présent la page COVID de cette émission avec ce jingle. C'était donc les voyageurs qui ont amené la maladie. À partir d'un moment, on a détecté des cas dans la population qui sont les contacts de contacts. C'est des gens qui ont été malades, qui ont été en contact avec d'autres personnes, qui peut-être sont restés asymptomatiques, mais qui ont passé le virus à d'autres personnes. Au jour d'aujourd'hui, donc, la propagation elle est communautaire. On retrouve donc au sein de la population des personnes qui sont dépistées positives. Et c'est vrai que le principe qui était là par rapport aux voyageurs est toujours d'actualité, où on retrouve des gens qui sont positifs, qui vont pour faire leur test pour voyager ou qui reviennent de voyage et qui sont positifs. Donc ces deux cas sont toujours d'actualité. Ça dépendra de comment nous allons nous comporter par rapport à ces foyers qu'on a retrouvés récemment. Je veux parler du grand foyer de Lomé qui rassemble près de la moitié des cas détectés pour tout le Togo. Et la région maritime avec en tête la préfecture de Yoto où des cas, de nombreux cas sont révélés il y a quelques jours. Également la préfecture des Lacs, où il y a eu un petit foyer. Maintenant, la résurgence des cas va dépendre de comment nous nous comportons, de comment ces différents sites se comportent par rapport à la prévention donc, de la maladie. Si nous mettons en œuvre les gestes barrières, nous respectons les prescriptions du gouvernement, nous allons avoir donc une stabilisation. Mais si ces gestes ne sont pas respectés, donc ce serait des foyers parce qu'il y a eu des contacts donc dans ces zones-là. Tout cela dépendra du terrain sur lequel cette maladie arrive. Vous savez que quand nous parlons des facteurs de comorbidité, nous pensons au terrain hypertendu, terrain diabétique, cancer, VIH et autres maladies. Donc quand le virus arrive sur des terrains comme ça, on peut assister donc à des cas graves qui sont mortels. Donc on peut dire dans ce cas que la maladie, elle est dangereuse. Quand elle tombe sur un terrain qui est favorable, elle évolue rapidement et puis elle tue donc la victime. Alors, mais on retrouve aussi des cas où la maladie arrive chez la personne et cette personne ne manifeste pas ou manifeste très peu de signes et guérit donc rapidement. Donc en ce moment, on ne va pas dire que c'est une maladie très dangereuse et ces personnes donc arrivent à survivre après donc le passage de la maladie.
une stabilisation de la progression de la maladie au Togo, parce qu'on a encore des chiffres, et des chiffres certains jours qui sont plus grands. Mais quand nous prenons les chiffres de l'intérieur, on peut parler d'une stabilisation à l'intérieur du pays, mais le Grand Lomé, préfecture du Golfe et ses préfectures environnantes, on retrouve encore des chiffres un peu plus grands. Et le pic que nous avons eu récemment de 58 concernait à plus de 60% Lomé et ses environs. Donc ces chiffres sont encore là et on ne peut pas dire que nous avons une stabilisation par rapport à la progression de la maladie. C'est une réorganisation à saluer. Donc, je crois que dès le Conseil des ministres, donc cette décision a été prise de diversifier donc ces équipes d'intervention rapide. C'est une bonne chose. Ça permettra de renforcer au moins les équipes qui sont déjà sur le terrain. Et vous savez que dans une guerre d'usure, moi je compare la lutte contre le coronavirus comme une guerre qui dure. Et lorsque la guerre dure, donc finalement, les différents protagonistes sont épuisés. Donc les équipes d'intervention diversifiées permettront de donner un nouveau sens, un tonus à la prise en charge. Donc ça va permettre d'aller plus vite et d'être efficace dans ce que nous faisons comme prise en charge. Voilà, c'était la docteure Sukuna Dadjo qui répondait à l'instant à certaines questions sur le coronavirus. Vous le savez très bien, nous sommes toujours dans cette pandémie, dans la crise sanitaire due à cette pandémie. Pour éviter le coronavirus, il suffit de respecter les gestes barrières. Protégeons-nous afin de protéger aussi les autres. Voilà, le mardi dernier, nous avions parlé des fake news, qui sont des informations erronées, mensongères, inventées de toutes pièces, ou parfois des montages grotesques sans aucun fondement véridique, disons tout simplement de pur intox. Il nous incombe donc de sensibiliser la population sur cet état du fait que sont les fake news. C'est dans cette optique que nous recevons sur le plateau ce soir le confrère Silvio Cambé. Bonsoir Silvio. Bonsoir Carole. Comment ça va? Ça va très bien. Alors merci de nous rejoindre sur le plateau. Alors vous êtes là, c'est pour nous parler des fake news. Alors dites-nous sur quoi voudriez-vous qu'on insiste encore ce soir lorsqu'on pas de l'info ou bien l'intox. D'accord, merci pour l'invitation. En réalité, ce soir, nous voulons parler bien de deux faits. D'abord, une fausse information qui circule et qui fait croire que quand une femme est atteinte de la COVID-19, ne doit pas allaiter son enfant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec la COVID-19, on n'a pas beaucoup d'informations. Et nous, au niveau de Togo Check, nous disposons d'outils, de techniques qui nous permettent de faire la vérification de ces informations sur le web. Mais quant à ce qui concerne la COVID-19, c'est un peu délicat, puisque ce n'est pas une fausse image, une prétendue fausse image qu'il faut vérifier. C'est juste des allégations. Maintenant, donc, notre source première, c'est de nous tendre vers l'OMS, par exemple, ou encore vers les médecins, les médecins, pour qu'ils puissent nous expliquer à fond de quoi s'agit-il. Et donc, ils nous ont expliqué qu'en réalité, une femme enceinte et qui est atteinte, qui est dépistée positive de la COVID-19, oui, elle peut allaiter son enfant. Puisque la COVID-19 n'est pas une maladie qui peut se transmettre par le biais du lait maternel. Voyons un peu, alors que c'est un virus respiratoire. Et donc, attention, s'il y a de la morve, si l'enfant a de la morve et qu'il y a un contact nasal entre la mère et son enfant, oui, il y a un risque que la maman, exactement, puisse infecter son enfant. Mais du moins, il y a des médecins qui forment encore beaucoup plus les mamans qui font les visites après accouchement pour qu'elles puissent mieux comprendre ou qu'elles puissent mieux maîtriser les techniques d'allaitement de ces enfants-là. Et donc,
ces informations qui circulent sur le web ou encore sur les réseaux sociaux que les gens partagent sans vérification et qui font croire qu'une femme enceinte dépistée positive de la COVID-19 ne doit pas ou ne peut pas allaiter son enfant est particulièrement fausse. Merci beaucoup Silvio. Alors quel est le réseau social le plus utilisé pour ces genres d'informations, les fake news? Le réseau social le plus utilisé est WhatsApp aujourd'hui. Voilà. C'est un canal de partage très vite, enfin facile aujourd'hui, parce que même nos, je le dis comme ça, même des gens, excusez-moi, qui n'ont pas forcément été à l'école, savent aujourd'hui manipuler le téléphone, pas pour aller forcément sur Facebook, mais arrivent quand même à envoyer des sonores à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et donc, via WhatsApp. Ouais. Et dès qu'ils reçoivent ou elles reçoivent ces informations rapidement, elles aussi, ces personnes sans vérification, transmettent des fois à leurs enfants pour vérification, et ces enfants ne vérifient pas et diffusent également dans leur groupe. Et malheureusement, le problème avec les fausses informations, c'est que le canal que cela suit, et quand vous, quand nous, on arrive quand même à débusquer ces fausses informations et on envoie la masse, ça ne suit plus le même couloir de transmission. Et donc, celui qui envoie la fausse information et nous qui arrivons quand même à débusquer ces fausses informations ne va plus au même moment l'envoyer dans les différents groupes auxquels, dans lesquels il avait déjà partagé les premières informations qui sont fausses. Et donc, ça pose un sérieux problème, ce pourquoi nous invitons toujours à vérifier les informations avant de les partager. Surtout que nous sommes dans une période de crise sanitaire liée à la COVID-19. Mais ça comment risque... vérifier ces informations-là? Vers où peut-on s'orienter pour la vérification, bien la véracité des informations? Lorsqu'on reçoit une information sur notre téléphone via WhatsApp, sur laquelle nous doutons un peu, alors comment savoir? Qui demander? Togo Check, est-ce que vous avez un numéro? Bien sûr, bien sûr. D'abord, nous disons, dans le doute, abstenez-vous d'abord. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a les doigts qui nous démangent. Quand on reçoit une information, on veut la partager tout de suite. Et on dit mimé, tcha, 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 tcha. Vaut mieux être la dernière personne à partager la vraie information que d'être la première personne à partager la fausse information. Et donc, nous faisons un travail d'utilité publique. Nous avons un numéro qui est disponible, 93-56-0202. Et donc, c'est un numéro qui est aussi accessible via WhatsApp. Si vous avez une information qui vous paraît fausse, ou que vous suspectez, qui ne vous paraît pas vraiment vrai, comme on le dit, ce numéro-là, de l'appeler ou de transférer le message à notre numéro. Et puis on se fait le plaisir, justement, de travailler sur ce message-là et contacter les personnes qu'il faut, ou encore faire de la vérification sur le web pour débusquer cette information. Et si vous permettez, depuis un temps, il y a des gens qui se refusent, peut-être que ça diminue un peu, qui se refusaient d'aller se coiffer ou encore de se raser la barbe. Parce que paraît-il que la barbe ou les cheveux sont des couloirs de transmission de la COVID-19, alors que c'est archi faux. Oui, on a eu ces sonores, on a eu à contacter des médecins qui nous ont expliqué que c'est faux. Sauf que les cheveux ou la barbe peuvent être des véhicules de la COVID-19, que si entre-temps, vous avez eu de la morve, parce que c'est un truc c'est un virus qui est respiratoire, vous avez eu de la morve, ou entre-temps, vous avez mis la main, là, il y a eu le contact, c'est pourquoi d'ailleurs l'OMS ou encore les autorités sanitaires recommandent toujours de se laver la main à l'eau et au savon. Et donc, entre-temps, il y a eu le contact avec la main et la barbe ou les cheveux. Et donc, c'est normal que quelqu'un qui, après, vous touche les cheveux ou peut-être, je ne sais pas si c'était avec des caresses, touche votre barbe, puisse également être contacté, enfin, peut être également, peut contacter ce virus-là. Alors, Silvio, revenez un peu sur le contact. Vous voudrez bien le redonner, mais de façon posée, afin que ceux qui nous écoutent ce soir puissent le noter. Et en cas d'information sur laquelle on peut peut-être douter un peu, rapidement vous appeler. Oui, ils peuvent nous écrire sur le 93 56 0202. Voilà, c'est le numéro de Togo Check. Togo Check, c'est une initiative très louable d'un groupe de journalistes dont fait partie justement Silvio Kombé pour partir en guerre, pour livrer la guerre contre les fake news. Et je crois que c'est un travail ardu, c'est vrai, avec beaucoup de difficultés, mais ils se sont donné le plaisir et cette volonté de faire ce travail utile à la population. Alors, Kombé, un message, un dernier mot à la population. Qu'est-ce que vous direz ce soir à ceux qui nous regardent? Ce que moi je continuerai toujours par dire, c'est de s'abstenir de partager tout.
tout ce qui se trouve sur le web aujourd'hui n'est pas vrai. Mmh. Parce qu'il y a de cela quelques années, on vous dit, pour trouver une bonne information, allez sur Internet, vous cherchez, vous trouvez la bonne information. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est un fourre-tout. Mmh. Il y a du vrai, il y a du faux. Et des gens qui diffusent le faux intentionnellement. Mmh. Donc, abstenons-nous de tout partager. Doutons toujours et vérifions toujours. Mmh. Doutons toujours et vérifions toujours. Merci Silvio Kombé d'être passé dans cette émission de Santé d'abord pour sensibiliser la population sur les fake news. Togo Check est là à votre disposition. Je le rappelle encore, vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr d'une information, appeler le 93 56 02 02. Merci Kombé. Nous allons raccompagner. C'est un plaisir partagé. Nous allons donc raccompagner Silvio avec ce jingle. Ceci est un message de Togo Tech avec l'appui de la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ. Ceci est un message de Togo Tech avec l'appui de la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ. Voilà, nous retrouvons notre invité docteur Bakriga avec qui nous étions au début de cette émission et nous parlions des blessés de la route et leur prise en charge. Alors docteur, c'est vrai que la pandémie au nouveau coronavirus est toujours là et on ne connaît même pas la fin de cette pandémie, on ne voit pas encore le bout du tunnel. Tout ce que vous nous dites en tant que spécialiste de la santé, c'est que nous devons apprendre désormais à vivre avec le virus. Alors, un mot sur cette maladie. Qu'est-ce que vous avez à dire comme message? Le premier message, c'est que chaque citoyen prenne conscience. Il y en a encore qui vivent dans le déni que la maladie n'existe pas. Voilà. C'est une maladie réelle. Et ce qui est important, c'est de respecter les gestes barrières, les directives des autorités togolaises concernant cette pandémie. Et si je peux me le permettre, l'espoir est permis puisque il y a que hier, le laboratoire Pfizer disait que son vaccin est homologué, efficace à 90%. Donc l'espoir est permis. Donc on croise les doigts que ce soit vrai. Et si jamais un vaccin est trouvé, on va vivre avec la maladie. Donc il faut que chacun, à son niveau, essaye de respecter les gestes barrières. C'est essentiel. C'est très essentiel. La prévention doit passer forcément par le respect des gestes barrières. Je suis d'accord avec vous, docteur Bakriga. Alors, les dernières questions pour mettre fin à cette émission. Alors, avoir sur soi quotidiennement un carnet médical qui peut contenir certaines informations clés sur notre état de santé, est-ce que cela est d'une grande utilité pour, surtout, les accidentés, parce que l'accident, ça ne prévient pas. Oui, madame. En fait, c'est très important. Mmh. C'est une bonne question parce que, en ce sens, si vous avez votre carnet de santé sur vous, c'est comme votre carte d'identité sanitaire. Voilà. Parce que pourquoi on le sait aujourd'hui, parfois un blessé peut être dans un état comateux, il ne peut pas parler. Mmh. Mais rien que sur son carnet, on peut voir qu'il souffre de telle maladie, qu'il est en train de prendre tel médicament. Mmh. Ça va aider énormément l'équipe médicale qui prend en charge ce blessé. Son groupe sanguin. Voilà, pour la transfusion, rien que ça. Il a beaucoup perdu du sang. Tout à fait. C'est essentiel et important. C'est une très bonne idée d'avoir son carnet de santé sur soi. Voilà. La sécurité routière doit être pour tout usager de la voie publique une priorité. Alors, dites-nous, comment cette sécurité sur la route doit-elle se faire? Merci, madame. À mon humble avis, la sécurité sur la route se résume au respect du code de la route. Parce que, figurez-vous, on ne le dira pas assez, les accidents de la route, c'est une pandémie. Et on dit que c'est une pandémie silencieuse. Parce que la route tue plus que certaines maladies. C'est vrai. Donc, pour moi, il faut bannir certains gestes. Le téléphone sur la route pendant qu'on conduit, ça bannit. L'ébriété, c'est-à-dire être sous l'effet des psychotropes ou de l'alcool et conduire, c'est à bannir. Et donc, et surtout pour moi et pour tout usager, ça encourage le respect
du code de la route et des directives des autorités. Et comme on venait de le dire, beaucoup de médias en parlent, de bonne conduite, des attitudes. Donc c'est à saluer et à encourager. Et peut-être ce qui doit être fait aussi, c'est de multiplier ça dans les langues nationales pour que le code de la route, la prévention, soit accessible à tous. La prévention routière. La prévention routière, qu'elle soit accessible à tous. Merci beaucoup. Je crois que dans la grille de programmes, des programmes de la TVT, nous avons une émission sur la prévention routière, justement. Il y a un de nos collègues, un petit frère, qui s'occupe de cette prévention routière et de la sécurité sur nos routes. Alors je crois que ce soir il est à l'écoute, donc on vous demande de maximiser les émissions de sensibilisation pour que nous ayons moins d'accidentés sur les voies publiques. Votre message, ce sera lequel, docteur Bakriga? Voilà. Merci madame. Mon message, ce sera d'abord à l'endroit de l'usager de la route. L'usager de la route, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et mon message, ce serait surtout prudence sur la route. Prudence. Parce que, je l'ai dit tantôt, les accidents de la voie publique, c'est une pandémie silencieuse qui tue beaucoup. Et donc, prudence, prudence, parce qu'il vaut mieux être en retard 5 minutes dans ce monde que d'être tôt 30 ans plus tôt dans l'autre monde, dans le monde de l'au-delà, comme disait un sage. Et à l'endroit de l'autorité aussi, j'ai un message. C'est celui qu'il faut qu'on puisse mettre, c'est un plaidoyer, qu'on puisse mettre sur pied un fonds pour garantir la prise en charge des accidents. Un fonds de solidarité pour la prise en charge des accidentés de la route. Parce que nous tous, nous sommes concernés. Voilà. Parce que, comme on l'a dit dans les différents éléments, la prise en charge dans les 24-48 heures maximise réussite, les chances de réussite et diminue les invalidités, les séquelles pour le blessé de la route. C'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent aussi, c'est un exercice. C'est-à-dire que notre hôpital, c'est l'hôpital nous tous. Si quelqu'un, il y a une bonne volonté qui veut nous apporter un matériel, quelque chose qui puisse aider à la prise en charge des malades, nous sommes preneurs. Ne pas hésiter, nous sommes vraiment preneurs. Merci beaucoup, docteur Bakriga, Moïse, pour tout ce que vous faites pour la population togolaise. C'est vrai que prendre en charge un accidenté avec tout ce que vous voyez tout le temps autour de vous, du sang partout, ce n'est pas évident. Vous faites du beau travail. C'est vrai que le matériel reste toujours insuffisant, mais je crois également que les autorités sont à l'écoute et elles connaissent bien les problèmes de chaque secteur. Et merci d'être passé dans l'émission Santé d'abord. C'est moi qui vous remercie, madame Caropito. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présentée. Nous étions avec docteur Bakriga, Moïse. Il est chirurgien, orthopédiste, traumatologue au niveau du CHU Sylvanus Olympio et maître assistant à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain pour un nouveau thème de notre émission, de votre émission Santé d'abord. Passez une excellente soirée sur la première. À bientôt.